4-2. Attends, attendez, sur les 4-2, il y a deux abandons au bout de 1 ou 2. J'ai pas de skill, hein. Je devrais être à 2-2. À 2-2 ou à 3-3. C'est n'importe quoi. Jaina contre Rexxar. Que la traque commence. Vous l'avez cherché. C'est pas le même. ça c'est trop lent, ça c'est trop lent. Ça c'est limite trop lent en fait. Je suis les conseils d'Otform qui dit qu'il faut des créas contre un chasseur. Tracobot. Je montrerai tout à l'heure. Track-O-bot. Je viens juste de commencer à l'utiliser parce qu'en fait, je me dis que je perdais un peu de temps avec. Oh, est-ce que je tente. Non, ça vaut pas le coup de le tenter. Surtout que j'ai rien pour booster derrière la déflagration des arcanes. C'est dommage parce que tour 3, je fais quoi? Tour 3, je fais rien en fait. Je tente les projectiles et je ping. Ouais. Pas terrible. Parce que mon tableau Excel en fait ça me déconcentrait un peu des fois. Là j'ai pas je me préoccupe que des games et des viewers qui me disent Miss Lethal, qu'est-ce que tu fais, t'es trop nul. Bah, au moins j'ai l'habitude. Projectile il y a presque une value à le jouer, c'est de mettre la Worm à 3-3 en fait. Mais bon. Parce que le truc, c'est le tour suivant, je jouerai certainement les lèmes. Dès que ça lag, ça accélère à fond. Ah ouais, carrément. Ok. Bizarre. Je pourrais pioche projectile. Espérer avoir un boost de sort pour le tour suivant. Ou pioche tout court. Ok. Là, j'ai mon boost de sort. Du coup. Le temps me manque. Alors moi, j'ai plus intérêt à le tuer d'abord. Hein. Ça a un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire. Mais au moins j'ai pioché. Parce que là il joue presque pas de cartes. Oh, c'est pas un Yoggenload. Oh, si c'est un Yoggenload, ça va pas être drôle là. J'ai pas envie qu'il la booste. Faisons un peu de magie. Oh non, j'aurais dû la jouer avant. Oh, quel con. Quel imbécile. Ok. Ardencio le légende. Ouais, on va dire ça. Là, j'aurais pu tenter de geler son arme, mais bon. Un peu chez Rose. Je vais faire garder mon petit sort pour la tisse flamme en fait. Les bêtes m'obéissent. Cinq et un, six. Là, on a 6 dégâts. Je pense qu'on y va. Hein.
Tout le monde fait des misplays. Ouais. Et moi c'est différent parce que je fais des misplays en jouant lentement. C'est-à-dire que je réfléchis 3 heures à une solution qui est forcément pas la bonne. Au dernier moment, j'en change pour une autre qui n'est pas non plus la bonne, puisque j'y ai pas eu réfléchi. Je m'en rends compte, mais après, en fait. Quand je revisionne, ou juste derrière, je dis, mais pourquoi j'ai joué ça? Mais Polke, tout a joué ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à deux points de vie contre un chaman? Non. Si, les totems. Enfin, on va pas faire une déflagration sur les totems. Est-ce que je le garde en espérant avoir un boost? Ouais, peut-être. Je te rattrape, Izzy. Oh, bah attends, t'es arrivé... Ah, t'y es plus, mais... Non, mais t'es pas au même rang, hein. T'es pas au même rang, ça ne veut... Ça n'est pas comparable, en fait. Jusqu'au rang 16-17, les games c'est du n'importe quoi. À partir de 16-17, tu commences à avoir des decks sérieux. Et j'ai bien envie de jouer l'acolyte. Ça m'embête de claquer. Et à partir du rang 14, tu peux perdre sur, sur des decks de top ladder en fait. Si le mec joue pas mal. On va dire la pièce, c'est dommage de la claquer, mais j'aimerais bien mettre quelque chose sur le board quand même. Suce-moi tes mots à l'oreille. 2 minutes pour chercher un adversaire. Ok, si tu veux. Vous avez apporté du poisson. Ok. Atisflamme. Ça servira à rien, vous allez me dire. Faites-moi mal. On peut tout éliminer, mais c'est super chéros en fait. Je me gagne du temps, mais j'ai pas de tour 4 en fait, c'est ça qui m'emmerde. Je sais pas s'il fallait que je fasse de la value. Salut Raptor! Je sais pas s'il fallait que je fasse de la value sur mes sorts en fait. S'il me sort une 3-4, je vais avoir l'air d'un imbécile, mais s'il me sort une 7-7, de toute façon, valait mieux qu'il ait pas de board. Ouais, difficile à dire. Vous avez apporté du poisson? Ok, bon, on va y aller YOLO, je pense. Hein. Est-ce qu'on y va YOLO ou est-ce qu'on garde l'apprenti l'apprenti tour 5, ça change rien. De toute façon, je pourrais jouer l'arcane quand même ou le grimoire. Donc non, on va y aller YOLO. Pas grave, je m'en doutais. Je m'en doutais un peu, c'est pas catastrophique. Je n'ai pas trop envie de lui laisser ça. Un peu de couleur, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bleu. Hein. Trop fort.
Ça se goupille pas super bien. J'aurais pas le temps de jouer la Worm, je vais la jouer maintenant. Tu peux pas changer de couleur. C'est pas grave, Albio. Pas s'excuser. Donc, ouais, j'aurais peut-être dû garder mon sort. Mon petit boost, je sais pas. Bon, on saura que les chamans ont toujours la tempête. Croc croc, carrément. Ouais. Allez, une petite torche là. Une petite torche. Ah, vous allez dire, ça sert à rien. Ah, bla bla bla. Non, c'est pas ce que je voulais. Est-ce que j'essaie de choper des petits sorts 5. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Pour le tour suivant, non? J'aurais 8. J'aurais 8. Je vais le mettre là. Spam dilated, bah déjà. Désolé Noctilite, apparemment t'es un spammer. J'ai pas eu de chance là. Je sers le seigneur du feu. Ah, il est carrément ban. Ah bah là c'est Jiraya qui a dû faire le ménage, non? Je sais pas ce qu'il a raconté. Ah, je crois qu'on va passer en mode yog, hein, les gars. On va balancer des sorts et puis on va prier. Deux tempêtes. Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous jouer mid? J'ai réussi à mettre la pression, c'est fou ça. Faut presque ce que je joue Yogg maintenant en fait. J'ai perdu hein. J'ai perdu. Saloperie hein. Forcément. Non, il coûtera 4. Coûtera 4, ça servira à rien.
a peut-être pas la solution. Mais normalement j'ai perdu là. Je vois pourquoi je continue à jouer. Bah, surtout Shaman Mid avec tous ses sorts en main, là je peux pas. C'est le problème du match tempo, quand les premières créas sont éliminées, c'est dur de revenir, je trouve. Après. Je me demande. Normalement j'ai pas un mauvais match-up contre Shaman, mais un Shaman avec Ragnaros, s'il arrive à faire patienter comme ça, je peux rien quoi. Pourquoi il patiente 3 heures pour faire ça? Je comprends pas, c'est pas grave. Ok. Bon, j'ai bien qu'en stream, je joue moins bien que. Alors là, le pire match-up du monde. La victoire ou la mort ? Vous l'avez cherché. Le pire match-up du monde. Il a voulu te tuer à la corde. Non, il a pas fait exprès. Ça m'étonnerait quand même. Il a vraiment fait ça? Bon, va falloir le prendre de vitesse. Comment qu'on va faire ça? En piochant. Ok. Faire mal. Dommage qu'il m'ait pas au moins une créa quoi. J'aurais bien voulu qu'il me mette une goule, mais il attend certainement la goule pour faire exécute derrière. Okay. La grande question c'est est-ce que je joue ou pas l'ensorceleuse en fait. Parce que le tour suivant je peux jouer la Tisflamme. Qui à mon avis a plus de value que de le faire maintenant avec une déflagration des arcanes. Ouais, je pense que je vais jouer. Sauf que s'il loupe, c'est pas si mal non plus. Ça fait une créature à gérer en fait. Je sers le seigneur du vieux. Le temps me manque. Ouais. Je sais pas. Difficile à calculer là. J'ai de besoin. Faisons un peu de magie. Là, mon avant. Travail terminé. Je pense pas qu'il va survivre, c'est pour ça que j'ai pas joué les images miroirs. Ah, peut-être dû. Des étincelles. On a battu
On a battu un guerrier, les gars. Bon, j'ai eu une bonne sortie, mais quand même. Bon, allez, c'est pas un ratio de folie, mais on va pas se plaindre. C'est quand même. C'est quand même une soirée décente. Hein. Bon, je sais bien que c'est pas forcément marrant pour vous regarder parce que le tempo, c'est. Très aléatoire, sans être super fun. On monte le deck quand même. Donc normalement il faut jouer un Talnos que je n'ai pas. J'avais prévu de vous mettre en ligne la vidéo d'intro où j'explique tout ça. Et puis le logiciel a bugué et du coup j'étais en retard pour le stream quoi. On sait pas ce que c'était, c'était sûrement un contrôle. Là il a deviné que c'était un Midrange Shaman. Midrange Hunter, j'en sais rien en fait. Donc on était quoi avant de commencer? J'étais rang 18, voilà. J'étais rang 18, donc... Bah déjà la fin, attends, ça fait 1h30, Albio. Ouais, t'es arrêté là, quand même.